Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est peut-être l'une des dernières de la saison des champignons. Parce que oui, c'est une petite cueillette au jardin. Petite, parce que bon, il n'y a pas énormément de choses. Mais on a deux espèces qu'on va pouvoir ramasser. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je me suis muni d'un récipient. C'est peut-être un peu gros, mais c'est pas grave. Hop, et les premiers champignons qu'on va pouvoir ramasser, ce sont les colibis du chêne. Petits champignons que j'affectionne bien et qui poussent en petites bandes. Donc nous en avons ici, nous en avons un là. Ceux-là sont pas énormes, mais ils sont de taille raisonnable. Ils sont là depuis un petit bout de temps. Alors ici, on a un faux mousseron, mais les faux mousserons qu'il y a là, ce sont les derniers que je laisse, qui sont beaucoup, enfin qui sont passés quoi. On doit en avoir, ouais, on en a un petit ici, comme vous voyez. Et on va avoir une petite bande là, comme vous le voyez. Ici, hop, on cherche, là, on a quelques-uns, joli. Puis après, sur le côté, dans les herbes, voilà, dans les herbes, je sais qu'il y en a, il y en a quelques-uns, et on cherche un petit peu sur le côté. Là, c'est déjà des tailles un petit peu plus raisonnables, un peu mieux. Hop, on a trois jolis ici, je garde en tête, je sais qu'ici, voilà, il y en a aussi, des tailles un petit peu plus grands, et on va essayer de chercher un petit peu dans l'herbe, voir s'il y en a quelques-uns. Je ramasse tout ça, et je vous montre un autre champignon. Allez, second champignon, on est sur un biotope tout autre, il y en a qui vont peut-être le reconnaître. Est-ce que vous l'avez reconnu? Il peut faire penser au pied bleu. Et vous n'êtes pas loin. C'est le pied violet. Alors on va regarder ça ensemble tout de suite. Je prends un couteau. Je coupe le pied. Hop. Et vous voyez le pied de couleur. Donc voilà, le pied améthyste, avec, on dirait un peu éméché. Vous avez les lames blanches. Hop. Un chapeau plutôt sombre. Le focus. Voilà, un chapeau plutôt sombre. Et son habitat, les pelouses. Les pelouses. Et vous allez voir, on va pas en récolter qu'un seul. Là, vous voyez, il n'y a même pas besoin de le nettoyer, il est déjà tout propre. Ça, c'est pratique. Je récupère le couteau, le bocal, et il pousse en ronde sorcière. Alors, ronde sorcière, on recherche. Et là, on peut les confondre avec un peu les feuilles. Mais hop, on en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Et voilà, là c'est vraiment le début de la pousse pour les pieds violets. Donc je vais toujours guetter, parce que ils peuvent faire de très grands arcs de cercle, vous voyez, jusque là où je vais. J'en ai déjà trouvé jusque là, du pot blanc que vous voyez ici à moi, on peut en trouver. Donc je vais regarder, bien regarder, et je vous refais de toute façon une petite vidéo, hein. Je vous referai une petite vidéo concernant la cueillette de ces jolis petits champignons qu'il faut aimer. Il faut aimer
Et je pense que c'est mieux de les mélanger à d'autres champignons. Parce que tout seul, c'est pas terrible, terrible. Mais voilà, je suis bien content. Ils ont poussé l'année dernière et repoussent cette année. Donc ils vont pousser chaque année, ça c'est super. Et j'espère pouvoir récolter de plus en plus. Je fais attention, hein. Je ne ramasse pas tout. Il y a toujours un ou deux qui restent à la fin de la saison pour les futures saisons, la pérennité des places. Je cherchais le mot, la pérennité. Donc voilà, on a des superbes spécimens ici, assez jeunes, et qui n'ont pas pris le gel. Par contre, ah mince, ça se casse. Ouais, bon, vous pouvez voir l'intérieur du coup. C'est assez fibreux, le pied est très fibreux, alors pas très bon pour la consommation. Hein. On préférera le chapeau. Vous voyez les lames, lamelles, pour identifier le champignon. Et là, il est pas heureux, hein. Il est parfait. Ils sont parfaits. Vu qu'il a fait froid, et que c'est un champignon qui arrive dès que le froid est là, et qu'il a fait bien froid, ils sont sortis assez rapidement. Et je suis bien content. Je suis bien content. Ça va être cool. Bon, et ben, je ramasse ça. Je fais un petit tour dans le jardin pour voir si on trouve autre chose. J'en doute, parce que c'est les deux espèces que je voulais vous montrer. Mais si jamais je trouve autre chose, je vous le montre. Et ben, je vous tiens au courant. Et je vous fais l'outro de la vidéo. Oui, une petite chose avant de finir. Et de là, vous voyez, l'herbe est plus foncée à cet endroit-ci. À d'autres endroits de la pelouse, c'est là où se trouve le mycélium. Le mycélium qui apporte différents nutriments à la terre et donc à l'herbe. Et donc on peut facilement savoir où se trouve le champignon quand on regarde ici. En général, ça fait un grand arc de cercle. Alors vous voyez, ça part de là. Hop, 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 hop. Et ça fait le tour jusque là-bas. Moi je le connais et on le voit plutôt assez bien de haut. J'essaierai de vous trouver une photo et je vous montre ça. Donc on sait à peu près où est-ce qu'ils vont pousser et donc on évite de marcher à ces endroits-là pour pouvoir donc les ramasser et éviter d'écraser et de piétiner l'endroit. Voilà, on peut marcher autour sans problème, mais pas à cet endroit-là pour ainsi favoriser la pousse. Donc voilà, ça nous fait un petit fond sympa. Je pense qu'on a à peu près 150-200 grammes. C'est plutôt bien pour une récolte dans le jardin en fin de saison. Moi je trouve ça bien. Et puis je vais faire un dernier petit tour et la fin de la vidéo. Allez. Bon, je vais une récolte un petit peu différente là. Hop. Hop. Allez, je récolte ça aussi. Voilà les amis. Alors j'espère que cette vidéo de fin de saison... Voilà, je vais bien me cadrer. Alors j'espère que cette vidéo de fin de saison vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner ça avec vous. Voilà, je suis derrière avec mes poulettes. Avec nos poulettes. Il fait bien froid, hein, vous voyez. J'ai les bonnets et les gants. On avoisine chaque matin le zéro. Donc côté champignons, ça va être compliqué de continuer à trouver quelque chose. Mais on va voir si on peut trouver autre chose. En attendant, bah, je continue à regarder dans le jardin comment ça pousse. Notamment pour les pieds violets. Là, c'était les derniers colibris du chêne. Hein. Les pieds violets, je pense que ça va encore pousser. Et ce sera sinon les derniers champignons que je vais pouvoir ramasser cette saison. Mais je ne vais pas vous délaisser. J'ai quelques petits projets autres que champignons à vous partager sur la chaîne. Alors, si vous voulez voir ça, et ben restez et abonnez-vous. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit pour ceux qui regardent ça le soir. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis !